Eh bien bonjour à tous les amis, je suis Pupup, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Jurassic World Evolution, nous sommes en Californie. Le but étant d'atteindre une valeur de parc de 3300, on est à 1783 pour l'instant. On est en train, vous voyez, de soigner le deuxième dinosaure ici qui est blessé, je crois que c'est le dernier qui est blessé. Voilà. Et puis après ça, on va aller choper, récupérer de nouveaux dinosaures. On remarque un enclos ici, et puis après on en mettra un autre là, par là. Et voilà, on avance tranquillement du coup sur les dinosaures. C'est pas très droit mon enclos, mais bon, c'est pas grave. Tac, voilà, donc on a le nouvel emplacement. Je vais aller en récupérer du coup des dinosaures. Qu'est-ce qu'il nous reste à récupérer ici? Deux Stylophosaurus, ça ressemble à quoi? Ah, des petits, allez. On va lancer cette tâche là. On va aller récupérer des Troodon. C'est parti. Comme d'habitude, c'est un peu d'eau. A priori, on a affaire que à des gens qui veulent, enfin, que à des dinosaures qui veulent des appâts vivants. Donc, hop, on va leur mettre ça déjà. Toi, tu couvres la zone au moins. C'est pour ça que j'ai mis là. C'est comme ça couvrira les trois enclos. Et on est à 2000 sur 3300. Ça devrait aller assez vite quand même. On a un scientifique qui est en train de récupérer pour l'instant. Un qui est en train d'être soigné et du coup un qui est en train de récupérer. Ok, on a un scientifique du coup qui a récupéré. Ça très bien. Ah. Rien aussi. Il y en a un ici qui a été soigné qu'on va pouvoir du coup retransporter. Non. Ah, pardon, c'est ça, c'est vrai. Et qu'on va pouvoir remettre dans son enclos. Récupération bien reçue. Donc le but aujourd'hui, bah, ça va être d'atteindre les 3300, tout simplement. Moi, mes dinosaures sont plutôt contents pour le moment, donc ça va, c'est cool ça. Transit imminent. Donc voilà, après on va continuer donc des enclos par ici. Et bon, il faudra sans doute remettre un autre centre de récupération parce qu'on n'aura plus assez de tâches, mais pour l'instant ça ira. Est-ce que toi tu couvres, ouais, tu couvres l'enclos, donc ça, nickel. Il faudra remettre une quand on fera l'enclos ici. Livraison effectuée. En termes d'argent, je suis un peu limite quand même. Bon, je fais quand même 115 000 par minute. Autant pour moi. Hop! Et on a récupéré 8 des petits dinos comme ça. En cours de transport. Cible en transit. On va redécoller. Voilà. La cible a bien été transportée. Cible à destination. Objectif atteint, cible livrée. La cible est arrivée à bon port. Transport terminé. Déjà commencer par eux. Cible en transit.
Alors, rêve de forêt. En termes de superficie, ça a l'air d'aller. L'eau, ça va. Ouais, il en manque juste un peu de forêt, donc ça va aller. Arrivée à destination. Hop, t'en vas pas tout de suite, j'ai d'autres choses pour toi. Qu'est-ce qui leur manque? Ah, superficie, on est un peu juste quand même. Alors, ils n'ont pas encore été tout au bout. Ils ont besoin quand même d'un petit peu plus d'espace, on va agrandir un peu l'enclos. Ils ont besoin quand même d'un petit peu plus d'espace ouvert quand même. Voilà, on va avoir contrôlé pour tout le monde. Tac. Voilà, et bah nickel. Superficie 1.09, mais ça va se régler. Et on a vu, c'est parce qu'ils n'ont pas encore la nouvelle section, voilà, donc ils vont s'agrandir. Et ça ira sans problème. On est pas mal. Ils n'ont pas encore été jusqu'au bout, donc pour récupérer un peu de forêt en plus. On va attendre qu'ils regardent un peu plus. Mais voilà, ça sert pas mal ça. Très bien. 2369. Attends, il me reste 5 que je t'ai pas fait encore. Mais... voilà. Il y aura celui-là après. Ouais, c'est parce qu'après il faut qu'ils reprennent leur tâche normale aussi. ...94, mais voilà, ils sont pas encore allés au bout de leur enclos, donc ça va le faire. Ok pour ça. On va refaire un autre enclos ici du coup. Ce que je regarde dans ce jeu, c'est que c'est un peu tout le temps la même chose. Par contre là... Tac, voilà, et puis bah, c'est parti, dinosaure suivant. Allez, des dilophosaures. Tac, tac, voilà. Pas besoin de recharger celui-là.
Ok, pour l'instant. Et le générateur, où est-ce qu'il en est? Bon, on va le remplir. Histoire d'être sûr. Ok. Ok, donc j'allais dire, il va falloir le renvoyer parce que là il y a besoin de contrôle, donc bon. Il est pour vite, toi. Alors maintenant qu'ils ont exploré un peu, est-ce que ça va mieux? Ouais, nickel. Allez, Citylophosaur. Transport en cours. La cible a été récupérée. Transit en cours. Voilà. La cible est arrivée à Beaufort. Cible arrivée à destination. Livraison confirmée. Ok, on va pouvoir aller contrôler un peu eux. Je sens que ces petites bêtes, il faut être un peu chiante rapidement, elles, donc il faut les flotter assez vite. Voir assez vite de quoi ils vont avoir besoin. On est à 3119, hein, donc on y est presque en soi. Opération de transport terminée. La cible a bien été transportée. Ah bah on attend les 3300, ok. Si je ne m'abuse, l'enjeu est réellement de taille, cette fois. Et je ne m'abuse jamais. Nous sommes sur le point d'établir une relation nouvelle avec les dinosaures. De révolutionner le monde, car nous sommes capables de mieux comprendre le passé. Oh oui, en effet. Nous essayons de tirer un trait sur ces incidents. Si je puis me permettre, ce ne sont pas des incidents. Seulement des causes inexplorées. Notre erreur, celle de l'humanité, consiste à croire que nous voulons connaître la vérité alors que le mensonge nous suffit amplement. Ces dinosaures génétiquement modifiés ne sont pas aussi authentiques qu'on aimerait bien le croire. Nous manipulons et croisons des chiens, des chats et du bétail depuis des années. Pourquoi ? Pas pour répondre à leurs besoins, mais pour satisfaire les nôtres. Et vous pensez que c'est ce que nous faisons? À vous de me le dire. Tout contact, aussi fugace et réfléchi soit-il, induit des changements. N'est-ce pas, docteur Doua? Éclairez-nous. Pour l'heure, nous devons faire avec. Notre mission, ma mission, consiste à veiller à ce que ces animaux soient bien traités. Quant au reste, advienne que pourra. Oui, oui, c'est très chaotique de votre part. Déjà ? Ah purée ! Même sur les îles, nous n'avons jamais rien créé de si... De si parfait. Enfin, compte tenu du fait que nous ne pourrons jamais laisser les dinosaures vivre leur vie en liberté, on ne pourrait pas faire mieux. Oui. On devrait s'en réjouir. Mais c'est vraiment le cas? Oui. Ok, quelque chose te préoccupe et c'est pas moi. Non. Alors, c'est quoi? Ce parc.
Ce n'est pas leur dernière destination. Pas vrai? Non. Bien sûr que non. C'est impossible. C'est trop dangereux de les garder si près de la civilisation. J'aimerais si tu me répares la voie avec la clôture, là. Tu le penses vraiment, Owen? Tu sais ce que ça veut dire? On forme une équipe. Je te connais, Claire. Tu ne leur tourneras jamais le dos. D'ailleurs, ce serait une très mauvaise idée. Fais jamais ça, hein. Et moi, je peux pas le faire non plus. Ces animaux font partie de notre avenir. Et pas seulement du nôtre, celui de chacun d'entre nous. Le monde va devoir s'accommoder de leur retour. Oui. Si nous ne préparons pas notre planète à les accueillir, ils nous chasseront, nous. On a un dinosaure qui est mort, du coup. Ah, il faudra le retirer. Ok. Bon, on verra ça après. Pour ça, il faut que j'arrive à gérer mon truc. J'aimerais bien qu'il me répare ce putain de barrière là. Pardon. Mais on aura bientôt récupéré. Mais répare-moi cette clôture. Ah bon, bah j'ai terminé. Ok. Ok, bon, bah du coup, on a fini la mission Californie. Je pensais que ce serait un peu plus long que ça. Mais bon, du coup, c'est fait. On a fini cette mission. Ah, Yosemite. Dans la langue de la tribu des Miwok, ça signifie vallée des tueurs. Ça tombe bien, non? Les gros dinos mangent les petits, les proies et les prédateurs optimisent constamment leur taille, leur apparence, leur force, leur vue, leur agilité. Leur cerveau évolue toujours plus dans le seul but de permettre leur survie. Ah. L'évolution est une course aux armements perpétuelle. La vie est ainsi faite. Le changement en fait partie. Et à présent, les dinosaures sont de retour dans la vallée des tueurs. La question n'est pas de savoir s'ils y sont chez eux. La réponse est évidente. Non, non. La vraie question, c'est... y resteront-ils? Ok, on avance. Ah, on va passer au sous-marin ensuite. Alors félicitations, vous avez terminé le mode campagne déjà. Et si tu essayes théorie du carreau Jurassic Park, assiste le docteur John Hammond dans la construction de son Jurassic Park de rêve. Ok, bon. On va revisiter les moments clés des films Jurassic Park et Jurassic World et ajouter. Bon bah ça on essaiera peut-être plus tard. Ok, donc on a terminé la campagne. C'était super court en fait. Bon, c'était plus un tuto géant je pense. Ok. Je pense que... bon, pour l'instant, voilà. Du coup, on a terminé cette première saison sur Jurassic World Evolution 2. On fera peut-être une deuxième saison plus tard, dans quelques mois, avec pour faire la théorie du chaos, éventuellement, et pouvoir revisiter les lieux des films. Ça peut être assez sympa. Bref, j'espère en tout cas, du coup, que cette série sur Jurassic World Evolution vous aura plu. On se retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures sur la chaîne au Credo 18h. Je pense qu'on va déjà terminer Alerte Rouge 2. Ensuite, on va terminer Alerte Rouge 2 avant d'attaquer autre chose. La campagne soviétique. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et cette série. On se retrouve donc prochainement pour la suite. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine.